Habitué de la taverne, bien le bonjour. Et on se retrouve aujourd'hui pour de la palette, pour de la construction qui fait mal aux os, pour donner des gros coups de marteau dans la gueule du wood. Aujourd'hui, on va se fabriquer n'importe quoi. Un nouvel établi en palette, parce que j'en ai fait un il y a 2 ans approximativement. Bon, on va pas se mentir, à deux ans c'est sûr j'étais nul. Il y a 2 ans, j'étais encore moins doué qu'aujourd'hui. J'ai quand même progressé, j'ai quand même appris des choses, j'ai quand même du nouveau matériel. Donc même si je n'ai pas encore la scie sauteuse sur table, là, putain, je l'attends, mais je l'ai pas encore. Bref, quoi qu'il en soit, on va faire un nouvel établi, on va le rendre mobile. Et pour ce faire, on va utiliser des tasseaux de récupération et 2 palettes, tout simplement, que je vais aller désosser gaiement là tout de suite. Parce que c'est un peu le problème quand tu travailles la palette, c'est que ok c'est joli, ok c'est pas cher, mais bah faut le démonter et ça c'est chiant. Voilà, attention, attention, rappelez-vous ce qu'était ce chef-d'œuvre de l'industrie du bois. Donc voilà. Donc c'est laid, c'est branlant, ça sert à rien. En plus j'avais percé des trous pour pouvoir fixer les serre-joints, les serre-étaux et tout. Et puis finalement ils sont trop petits, il n'y a rien qui passe. Enfin bref, on va le refaire. Enfin ça on le pêche, mais on va en faire un nouveau. Let's go. La palette, c'était la partie simple. Faut pas m'amuser à redémonter ce que j'appelle une palette de tasseau, mais ça porte un nom, c'est le truc qu'il y a là en fait. Parce que tout seul, c'est assez lourd. J'ai pris les 2 que j'avais déjà démontées pour prendre les planches pour faire le paravent. Donc sur lesquelles il y a encore accroché, bien évidemment, toutes les petites planches que j'ai pas coupées. Bon, on va les détacher après. Donc, je vais couper 4 morceaux identiques là-dedans, ce qui sera un carré, ensuite les 4 pieds, on va fixer le tout ensemble, on va venir fixer les planches de palette dessus. Voilà pour l'étape qui arrive, let's go! Voilà, finalement j'ai fait 100 sur 50, donc ça fera 100 de long et 50 de large. Et pour les pieds, je vais prendre les 4 de l'ancien établi tout simplement, parce que ce serait con de s'en débarrasser alors qu'il y en a déjà de coupé. Bon, même si dans mes souvenirs ils sont pas bien droits, mais ça paraît extrêmement grave. Voilà, au moins il y aura encore une petite part de lui dans l'autre. Voilà, bon, ça sera pas la même couleur, mais c'est pas grave, c'est pour les 2 heures, c'est un établi. Let's go! Thank you.
Oui. Ah, coquelicot, coquelicot. Celui-là, il est déjà tout gonflé. Non, t'es plus un cloqué, un coquelicot. Aïe. Aïe. Donc une fois qu'on en est là, si vous êtes comme moi et vous attendez le dernier moment pour passer un petit coup de ponçage ou de raboteuse, faites bien gaffe de bien enfoncer les têtes de vis, sinon les machines ils apprécient pas trop. Alors après je voulais démonter une autre palette pour faire le dessous, mais finalement je vais prendre les planches de l'ancien établi. Une fois que tout ça sera fixé et droit, on viendra mettre les roues. Et ensuite je viendrai mettre des planches sur les côtés que je me servirai de cale pour les découpes. Là j'ai laissé volontairement un creux pour venir si besoin est fixer des machines en dessous comme une scie sauteuse ou ce genre de choses pour faire des découpes directement. Et puis voilà, on va raboter tout ça. Voilà, notre nouvel atelier est prêt, fonctionnel. Alors je me suis fait un petit carré pour venir fixer les outils utilisés sur le coup, histoire de ne pas aller les chercher à droite à gauche dans l'atelier ou quoi. En dessous j'ai une petite planche pour les vis, pareil, histoire de ne pas aller gambader à droite à gauche. Comme ça maintenant j'aurais pu mettre qu'un petit seau ici, quand je fais de la découpe, histoire de ne pas passer toutes mes soirées à balayer. Le petit atelier de choupette juste à côté parce qu'elle aime bien casser des trucs au marteau. Donc voilà, plus résistant, plus grand, plus pratique. Prêt à recevoir sa nouvelle scie sauteuse. Et c'est marrant, des fois j'aime bien regarder, me poser 5 minutes et voir l'évolution de tout, l'évolution de mon travail, l'évolution de la maison, du bar, de la terrasse, etc., de l'atelier. Ça ressemble absolument plus à rien. Enfin, ça ressemble absolument plus à ce que c'était quand on est arrivé. Dans le jardin, la planche c'est la moitié de celle-là, les briques ils étaient là-dessous, donc voilà, j'ai rien payé et ça fait quand même vachement plus propre. Je suis fier de mon travail. Ouais. Du coup c'est marrant. Je me dis que même si la chaîne elle évolue pas, bah moi oui. L'atelier quoi, l'atelier c'est impressionnant. C'est pas une vidéo miracle où je vais t'apprendre à faire une terrasse en dépensant rien. Faut pas les coller non plus, hein. Je suis pas magicien, je m'appelle pas Copperfield, connard. Mais on a tous des trucs qui traînent chez soi qui peuvent nous permettre de faire plus propre que qu'un jardin dégueulasse, tout simple. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, en espérant que c'était le dernier meuble que je fasse juste à la scie sauteuse, qu'après le matériel arrive enfin, depuis le temps que je l'attends, la rupture de stock à la con, là. Et puis voilà. Quoi qu'il en soit, tout chantier terminé mérite sa bière. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.
Bon, pour la petite anecdote, juste après la fin de cette vidéo, je suis monté sur l'échelle pour aller prendre des mesures pour faire un... Je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, je suis tombé. Je me suis éclaté le poignet là, il y a une heure. Et du coup, je pense que ça va finir aux urgences. Affaire à suivre.